Et bonsoir. J'avais pas coupé mon micro. Hop. Petit coucou dans le chat. Par pure tradition. Bon bah encore une fois, hein, tout est annoncé. J'hésitais à rejouer à Darkest Donjon parce que tout le monde y jouait, du coup j'étais complètement invisible. Mais il s'avère que ce week-end, il se passe plusieurs choses. Notamment une Zinlan, notamment la sortie d'un Zelda, que je vais bientôt recevoir demain, mais que je jouerai pas tout de suite, auquel je jouerai pas tout de suite. Et il y a aussi une bêta de Diablo 4. Bêta que j'ai déjà pas mal, à laquelle j'ai déjà pas mal joué, donc j'ai pas vraiment grand intérêt à y aller. Du coup, je suis clairement pas en première ligne sur Darkest Donjon, mais je vais quand même y jouer. Ah, petite mise à jour. C'est imminent. Allez, on coupe Spotify. Changement de scène. Donc petit rappel, j'ai déjà joué une soirée. Un mot pour résumer cette soirée. Douleur. Clairement, bon voilà, j'ai pas beaucoup joué à Darkest Dungeon 1. Le jeu. Voilà, j'ai pas du tout expérimenté sur Darkest Dungeon 1. Plusieurs raisons, j'avais pas joué longtemps, même si le jeu me plaisait beaucoup. Et voilà, je suis complètement expérimenté sur le jeu. C'est une donc quasiment une découverte. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Il vient de recadrer. Non, ça a l'air bon. Alors voilà. J'étais parti en couille dès le début parce que. Clairement, c'était pas la folie, mon groupe. Cette fin d'expédition, journée d'expédition. Il y a une map. Bon, je suis pas forcément. Ce que je m'étais dit. C'est que elle j'avais bien envie de la jouer purement parce... simplement parce que j'aime le look de base. Elle bon un peu obligé c'est le support. Elle je l'aime bien aussi. Par contre mon bandit j'étais en train de réfléchir de m'en passer. Le problème c'est que je trouve qu'il combatte bien avec la pièce de tombe. Forcément, combo. Donc c'est peut-être pas la meilleure des choses que de forcer la furie. Ça fait quoi si je mets fin à l'expédition? Ok. Je vais quand même mettre fin à l'expédition. C'était vraiment trop mal barré ce groupe. Remain undeterred and you will yet prevail. Allez, on y va. On recommence. Bon, j'espère que je vais au moins réussir à finir au moins une map. The greatest horror, it would seem, à défaut de faire une expédition. Is nothing at all. Ah oui, on avait eu ça. Et du coup, on s'était dit... Ah, il y a plein de choses. Hearts and minds will carry the day.
pense que je vais essayer de partir sur lui, enfin ces quatre là. Du coup, est-ce qu'il y a une chance que quelque part je puisse... A little more light, a little more strength. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Ça va aller vite. Study the winding roads and routes of our kingdom. Find any advantage. Du coup, ça, j'espère que je vais l'avoir. Ce serait dommage. À ramener l'auberge, plus 4. The road calls once more to its dark passenger. Bon. Ça se voit plutôt bien, je comprends pas tout encore. Je comprends même pas grand chose. Indistinct and ill-lighted. No comfort awaits you here. On y va. Commonalities between the mythos of ancient cultures was not a new area of study for either of us. But it was there that we first noticed the pattern. The crossroads, where lost souls hope to find their way. Chaque classe de héros a un différent parcours possible. Ceci sort de spécialisation avec des avantages et faiblesses. Ah, c'est pas mal. Ok. Mais du coup, c'est où ? Parcours. Ok, j'avais pas compris. Ah ! Slips unseen into the catacombs of the mind. Alors, la question que je me pose, parce que là elle est affichée comme étant plutôt optimale sur ces trucs. Mais le truc c'est qu'elle peut pas faire ça. Effectivement, et lui. Thank you.
indiscriminate science stains the surgeon's hands. Je pourrais pas faire ça. More devastating than the horrors of 100 campaigns. C'est peut-être mieux comme ça. Parcours, ok. On n'a pas accès à leur... à leur inventaire directement? Non. The road is yours to travel, but you are not alone. J'ai dans l'idée. J'ai aucune preuve. Bon, je comprends pas trop là. Les réminiscences, comment ça fonctionne. Ok, bon. Salut Rominski, salut la crèche, bienvenue, installez-vous. Vous allez voir, il y a du gros skill. Je comprends rien au jeu, je meurs en poule. You can feel it. A change in the air. C'est abominable. The bulwark of your denial is giving way. Et alors j'ai fait une compo. Ah, je vais laisser un peu sur le jeu. Hop, j'ai fait des... Ah mais d'ailleurs il faut aussi que je bouge ça. Le cadre. Où est-ce qu'il faudrait que je mette ma gueule? Je pense que... Idéalement... Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Paf, j'avais prévu le coup. J'ai l'impression que je gêne moins. Ouais, en haut à gauche, c'est peut-être mieux. Hop. On va faire un truc. Ouais, il y a des infos partout, c'est abominable. Touk. Touk, touk. Toc. Paf, paf. Et je vais diminuer un peu le cadre en fait. On voit ma pièce de tombe. Paf. Ouais, donc j'improvise, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai l'impression que lui, il peut être pas mal. Le tank là... C'est mieux le son, hein, dites-moi. J'ai l'impression qu'il peut être pas mal en deuxième position. Elle, est... potentiellement, elle est peut-être meilleure... Elle a tous ses skills, sauf celui-ci, face à face. Ouais, qui est un taunt, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est un taunt. Et ça lui permet d'avancer. Bon, c'est pas très grave. Ah non, c'est celui-là. Ah, c'est saignement, c'est... Ça aurait été pas mal, je pense. On va voir. On va voir comment je les place. De toute façon, on peut les placer dans l'intelligence. Alors, elle passe en premier. Trop marrant. Alors, c'est le seul perso qui peut mettre des combos. Et donc, on va se faire plaisir. Parce qu'en plus, tu peux aveugler... Les deux morues qui se trouvent au fond. Paf, aveuglés. Font moins les malines. Cri barbare, ça.
pourrais faire ça. Essayer de pourrir les deux grosses derrière. Les deux grosses. Ils sont plutôt mecs, plutôt, mais... Les deux relous. Plus envie de dire. Voilà, et elle, elle a un point de combo, du coup, elle, je peux en profiter avec ce truc et on va le lancer sur elle. Paf, coup fatal, ça fait plaisir. Lui, voilà, c'était aussi l'idée de les placer comme ça, ces deux-là. Bafflement and vexation. Là, il a perdu son action de prochain tour, super. Lui, on va l'empoisonner. S'il peut commencer à perdre des PV maintenant, c'est bien. Je peux plus lancer ça. Par contre, je peux... Je vais mettre des saignements. Résistance, le bâtard. Il a 20 de résistance sur saignement, ok. Bon, elle, elle peut plus vraiment taper, là c'est un cadavre, ça pue rien. Donc on va partir là-dessus. Section des fêles, ok. Alors ça, ça ignore, donc on va en profiter. Schlack. Dans ton fiac. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il a ça? Pourquoi elle a ça, putain? J'arrive pas à m'y faire. Je suis tenté de l'aveugler. Là? Oh. Pourquoi c'est lui qui a chopé ça? Putain, il était pas en position du machin? Ah vraiment, je suis tellement paumé. Bah du coup, elle, elle va en profiter. Puff, combo. Puff et abject. Ok, il a de l'horreur. Bon, ça va, c'est, ça pourrait être pire. Un défenseur, c'est parti. Ok. Le but était de lui coller un dot, c'était pas de le tuer. Je crois que tout ce que je planifie nous donne l'exact inverse de ce qui est attendu. Faut que j'arrête de planifier, je crois que c'est ça la règle. Ça fait quoi là, soi-même, souffle court? Allez, moins de dégâts, moins de vitesse, ok. Ça permet de niquer la, la furtivité, donc aucun intérêt. Là, si la cible devient faible, fait moins de dégâts. Bah, c'est pas mal, allez, on va tenter. Ok, bon, du coup, on fera moins de dégâts. Mais bon, c'est plus une frontline, on va dire. Deux, encore un tour. Je suis tenté de lui mettre un du saignement. Et parfait. Là, il y a encore deux tours. C'est pas dégueu, je pense, de mettre vertige. Non, remarque, vu qu'il est faible, s'en fout un peu. On va taper.
On va taper. La vache. J'aurais pu faire hyper mal. Vulnérable, pourquoi ? Résistance. Gony. Victory supposes strategy. Press on. Ouais, le son, la bande son excellente. De toute façon, la DA dans son ensemble est excellente. De toute façon, c'est de la Dark Fantasy, donc si t'aimes un peu le genre, on est dans la droite lignée du truc et là, je ne fais pas faute pas là-dessus. Et salut FUF. Alors, j'ai chopé quoi ? Breloque flou, plus 3 en critique. Soin par compétence reçu, moins 10%. Potentiellement, je pourrais la mettre sur ma pièce de tombe, je pense. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Paf. Bon, j'ai rien d'autre. Du coup, la map, c'est tout droit. Je vais me payer une barricade et puis voilà. Ah non, je viens de me payer la barricade. Bon, en fait, j'ai recommencé depuis tout début du jeu en abandonnant l'expédition. Bizarre. Je suis vraiment paumé, quoi. Mais bon, on va apprendre. Le feu est lit. La table est set. The inn awaits its favorite guests. Tiens, elle est marrante, elle. Deux bougies. Alors. J'avais vu un stream de Mister MV qui disait qu'il était hardcore. Alors après, il y a aussi un truc, c'est il y a le mode bibou, comme disent les gros streamers. Dans la boutique, tu peux acheter ça, qui coûte rien, et qui augmente les stats de ton groupe. Et du coup, je passe en mode facile, entre guillemets. Bon, pour l'instant, j'ai envie de voir 100. Globalement, voilà, t'as plus de PV, tu te soignes plus fort dans la diligence, tu es en priorité, t'as plus de vitesse, tu passes en priorité, et tu perds moins de flamme, t'as moins de dégâts, de perte de la flamme. Boutique, justement. Ça, c'est du bon manger, ça coûte rien. La résistance à quoi ? Je tentais de prendre des trucs quand même comme ça là. Et en fait, il y a une autre flamme qui, elle, fait l'inverse. Elle augmente la difficulté. C'est que si je prends ça, je peux pas prendre ça, donc je peux tout prendre deux comme ça. Ah, mais il y en a qu'une. Ok.
C'est les objets de combat, je sais pas si c'est dans le précédent. Alors voilà, elle, j'ai 5 points de maîtrise, donc ça me permet d'augmenter certains de mes skills. Forcément, ça m'intéresse particulièrement sur celui-ci. Donc celui-là, sachant bien. C'est mon unique générateur de points de combo, c'est pour ça que je le prends. Et les soins... Ouais, l'avantage c'est que ça lui retire à lui aussi, enfin à elle aussi. Là je puisse tenter de mettre celui-là. Après je vais mettre un point sur chacun des autres personnages. Du coup elle, elle l'utilise plus celui-là parce que je l'ai pas placé dans cette position. Ça sera plutôt celui-là. Ça augmente drastiquement ses crits, ses chances de crit. Et ses dégâts. Bon, elle utilise surtout ça, donc la raison que je prenne pas ça, et lui il utilise surtout ça. Donc en fait c'est une protection améliorée, ça passe de parade à parade plus, donc il subit beaucoup moins de dégâts. Et en fait on gagne un tour sur la sous-protection. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de détails là-dessus, mais bon. Parce que maintenant c'était pas mal. Ça c'est bon. Je peux pas réparer ni améliorer les roues. Oh, j'avais pas acheté un objet de diligence. Ah oui, non, je pouvais pas, c'est trop cher. Bon, après, c'était juste les relations, donc c'était pas non plus la folie. Alors, la jungle de Dédale, je crois que. Merde, comment on joue à leur page, ok. Ouais, plusieurs choses. Toi, tu vas prendre ça. Ça, voilà. Toi, tu veux aller où? Dans la jungle. Hôtel héroïque. Ok, poste médical. Donc, on va faire la jungle. C'est très bien. Toi, je te mets ça. Ça, je vais plutôt le mettre sur mes... Sur moi frontline. J'en ai qu'un seul. Ah oui, j'avais pu en avoir qu'un seul. Du coup, ça va où? Oh, ça va. Ben, lui, il est aveuglé en début de... Bon, après, c'est pas très grave que ce soit lui, mais... Si attaque rate, ok, il y a une chance de crit. Bah, elle, son bonus c'est trop pourri parce que. Fait plus de dégâts contre les cadavres. Bon, après, ça peut être utile.
Par contre, elle a moins de PV, chance de crise, voilà, c'est la folie. Début de manche. Commence en vulnérable. Bon, c'est pas le personnage qui est... Plus 5 de crit, bon ça c'est cool, hein. C'est le personnage qui en a besoin. Début de manche, esquive. Esquive plus même. Bon, on va pas râler. Par contre, maladie, moins 20. Ok. Bon, on a dit la jungle. Ce sera la jungle. Je sais pas comment utiliser ça en fait. Nom 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 nom. Our great cities burn. All that beauty and knowledge. Ash on the wind. Pourquoi il a aussi peu de PV lui? On peut le soigner là, quelque part? Ça c'est pas dégueu en fait. Je vais les prendre pour mat de frontline. Qui vont encaisser du coup. Qui vont avoir tendance à... Putain je suis désolé je mets des plombes là mais... Je suis full paumé. Bon on fait déjà. Voilà comme ça. Paf. Ah oui d'accord c'est inconsommable. Je peux pas le séparer. Oh lui il a tendance à stresser je crois. Bon on va bien voir. Allez on y va. C'est parti. Et c'est beau. Behold, the great cities of man, ruined and aflame. Pourquoi? Ok. Il y aura un combat pour aller à une zone inconnue. Tour de guet. Tour de guet, il faut que j'y aille. L'un de mes persos. À moins que ce soit mon brigand. Que j'ai pas pris. Oh, hôtel héroïque. L'antre, j'ai déjà fait. Hors de question que j'y retourne. Je vais quand même aller à la tour de guet, je pense. Lui, Audrey préfère aller à la tour de guet. Lui préfère aller à gauche. Et lui à droite. Reliable information brings accurate insight, after all. Tour de game. Ok, du coup, je vois tout. Est-ce que pas dégueu de, en tout début de run? Bon du coup je vais avoir une barricade. Et après rencontre dead. Et après pas le choix, j'ai perdu une roue. Mais bon, potentiellement j'en perds pas après. La barricade. Twisted by hopelessness. Ok. Fainéant, rouler sur une fainéant augmente la haine. Je
pas plus que ça que ce que ça fait. L'avantage de combat. Ok. La haine, ça fait quoi? Il ne précise pas ici? Non. Ok. Donc ça sera ce personnage qui est bien relou celui-là. Hein. Malheureusement. Peut-être mettre les résistes dès le début, jamais en esquive, autant le prendre. Paf. Cooperation is the key. Ok, il s'est cassé. Bon, tant mieux, il va se prendre du combo en voiture, voilà. Pour l'instant, on va rendre vulnérables les deux, enfin faibles les deux. Lui, il va faire son défenseur. Bon, voilà, c'est la petite strat que je me suis préparé. On va voir si ça paie. Ça va, il paie, il tape comme des. Comme des quiches. Pas très grave que les deux sont intervertis. Même limite au contraire, hein. C'est presque mieux. Bon, c'est lui qui doit prendre cher, hein, je pense. Oula! Putain, elle fait mal, la pièce de tombe! Incroyable. De toute façon qu'on l'entend pas mon petit même. Pas lui alors. Wow. J'en ai des autres. Ah! J'ai le petit brouillard. Ok, quoi, vous l'entendez bien, tant mieux. Alors. Bah elle va taper la petite mère là. La veuve. De toute façon, elle va pas faire beaucoup de dégâts, elle en souffle court. Bon, le cas d'avalant du coup c'est le point de combo, je peux pas les placer là. Ça va un peu chier. J'essaie de lui poser un dot lui. Résistance, évidemment. Bon, là ça fait chier. Là il pète les couilles. Mais j'ai un truc qui me fait avancer. Normalement, avance de 1, c'est ça. Ok. Straightforward and effective. Prends-toi des dots, s'il te plaît. Merci. Ouf, putain, ça lui fait mal. Bon, en fait, ils sont vraiment bidons, hein. J'ai l'impression d'être dans le mal contre des... Hein, des mobs ridicules. Sweet reprieve. Until the next test is put before you. Bravo, bravo. Ouais, c'est ça. Mais bon, je crois pas si bien dire, le premier mob qui m'a tué dans un MMO, c'était un rat. Desperate and wanting. Will you rebuff their earnest please? Je crois qu'il y a un signe. Alors... Bon, lui, il est d'accord avec personne. Donc on va plutôt privilégier soit elle, soit elle. Je gagne quoi? De l'armure? Découverte, j'en ai pas besoin du coup, vu que j'ai déjà la tour de guet. Plutôt prendre elle.
Oh putain, moins 2. Et vraiment pas content. Attends, c'est quoi ce truc armure plus 1? J'espère que c'est pour tout mon groupe. Pour devenir nos alliés sur le long terme. Évidemment. Oh là, par contre, c'est immaniable là. La diligence est pas du tout maniable. Donc là, je vais me péter une roue. J'en ai que 2. Si jamais on me pète ma deuxième roue, je me prends une embuscade. Dans le coin de la tronche. Là, je peux choper un attribut. Attribut positif. À quoi sert un livre? Bah, je suis plus tenté par ça du coup. Alors, c'est quoi? Tacticienne du dédale. Début de manche, esquive. Ah, triple esquive quoi. Tacticienne de la jungle, tacticienne du dédale. Bah, je dis pas non, hein, je dis pas non. Je pense. Avantage ennemi, début de combat, plus 33. Là c'est pas mal, ça note les objectifs de tous les héros. Poste médical. Barricade. The lost souls of a dying world. Empty of hope. Ok. Les fameux rats de MMO. Du coup, ça se stack pas, c'est dommage. Je suis content d'avoir chopé un truc inutile. On va essayer de les tuer vite. Pas de point de combo. Pas de point de combo, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que la barre jaune en fait? Un beau 0 point. Ah putain, il me colle quand même une infection. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime, ma pièce de tombe. C'est ma favorite. Jamais déçu par la pièce de tombe. C'est juste pour lui retirer son infection. Oh là 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 là, les dégâts. Incroyable. Nul. C'est nul. Ouais, je me prends toute la sauce là. Oh, il s'est encore réinfecté. La pièce de tombe. La meilleure. La best. La best. Que je vais faire. Paf, je provoque. Et avec lui, je défends.
En fait, le bandit était quand même super puissant, je me rends compte. Dans le sens où... Putain, il y a ça aussi, là. Dans le sens où il pouvait renvoyer les dégâts. Et ça, c'était pas mal. Mine de rien. Prends-toi des dots. Bon. Je sais pas si je m'en sors bien ou pas. Hein. Il perd quand même des PV à chaque fois, mon tank là. J'ai envie de me dire que ça va. Ça se passe pas trop mal. Mais... Oh putain, j'arrive à éviter tous les trucs, hein, je crois. Mais en fait, j'ai pas l'assurance que c'est bien ce que je fais. Pile en feu. Qu'est-ce que ça fait? Oula! Alors eux, ils ont pas l'air gentils du tout, là. Rencontre de... Résistance. Chaque région regorge d'êtres maléfiques. Les rencontres de résistance sont des affrontements contre ces monstres. Remporter ces combats est la meilleure manière d'obtenir des points de maîtrise. Et des trésors qui renforcent votre groupe. Cela réduit également la haine. Et c'est vrai que j'ai la haine. Alors. Lui, il est mécontent de tout le monde. Ils s'entendent déjà pas très bien les deux, je crois. Et en même temps, je ne peux plus me battre. Mais il saoule en fait là. Parce qu'à cause de lui, je perds de la flamme, j'augmente mon stress. Ah oui d'accord, mais j'évite le combat. J'évite le combat par contre. Mais il va stresser tout le groupe quoi. Non, on va combattre. Mais bon, c'est quand même le lâche lui hein. Ouf. Bon déjà sur la skin on peut dire un truc, c'est qu'il est pas rassurant celui-là. Je me sens mal. Ça va mal se passer. J'ai des spasmes. On va peut-être l'affaiblir. Alors c'est ces deux-là qui tapent ensuite. Est-ce qu'on le connaît? Non, on le connaît pas. Bonheur. Bon, je pense qu'on peut dire qu'il va faire mal. On va essayer de l'affaiblir. Voilà. Ok, c'est pas grave. Spaf. Oh putain, ils ont changé de place. Résistance, super. Toi, tu fais ton coup habituel. Porte de trauma sur patte. Ah voilà, bien. Non, ils ont rechangé de place. Hold fast, for who knows what lurks in the beyond. Plus, ils ont changé de place, c'est pas cool. Lui, je le sens pas, lui. Lui, c'est le genre de petit fourbe, là, qu'il faut tuer très vite. Ça se voit, c'est marqué sur sa gueule. Bam! Early results are encouraging. Ah bah, c'est le nouveau main. Bon, du coup, il a fait quoi lui? Pour l'instant, il a juste. Fait ce truc de merde. Lui, par contre, il tabasse, ouais. C'est ça. Je serais tenté. Essayer de le dot. Voilà, prends ta picouse.
an unavoidable end. Et on va tenter de le faire saigner. Et voilà. Lui, il faut qu'il avance, clairement. Bam. Ça se passe pas mal en termes de plan, là. Elle. Bon, elle va pas faire forcément très mal. C'est pas une raison pour ne pas taper. Ah, c'est bien, il dote, c'est en train de me pourrir. On va remettre le défenseur. Ça va être bien quand même. Il a combien? 27 sur 46, il est pas à moins de 50. C'est dommage. Combien il reste? Un tour de chaque. Résistance. Mais là, on va quand même essayer de faire mal. Un petit peu déçu là par ma pieuse. Par les flammes. Measure out your violence and apply it judiciously. L'agonie. Bon, on va le finir. Histoire de... Ouais, une nouvelle agonie. Brûlure, oh là là. Brûlure, brûlure, brûlure. Oui, oui, oui. Putain, si je l'avais amélioré finalement celui-là. Ah, c'est toujours pas... Hein. Je suis toujours pas à 50 PV. On va attendre. On va quand même essayer de le tuer. Ok. On va nous lâcher les grappes. Et voilà, c'est bien ça. Ah voilà, ça y est. On va lui retirer du stress, je pense. Parce que ça va. Oh! Stress 5 plus. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire avant. Oh, l'erreur. C'est pas bien. Quelle erreur. C'est pas grave. Ouais, ils sont tous en feu là. Ah. Ah mince. Bon, par contre, elle est forte contre les cadavres. C'est la déstress même, j'ai envie de dire. Bon, là, tu vas pouvoir soigner. D'ailleurs, en fait, j'aurais pu se soigner avec le bandeau. Les bandages. Pardon. Ouais, c'était inconsommable. Je voulais voir si c'était inconsommable. C'est inconsommable. Alors du coup, est-ce qu'il y a un combat après ce combat? Non, du coup, ça sert plus à rien, ça. Ouais, c'est... il faut pas que j'oublie, parce que lui, c'est quand même un anti-stress pas dégueu. Il a tendance à stresser, mais quand même, il peut déstresser. In this weighty gloom, a spark. Bon, évidemment. Bon, j'ai pris un peu cher hein, malgré tout. Je suis où? Donc là j'ai le choix. Ah, l'hôtel héroïque, il faut que j'y aille. Faut que je fasse quoi? Hôtel héroïque. Rencontre dead. Il faut que je fasse ce truc là. D'autant que si j'y vais, bon bah j'aurai un combat. Contre des rats. Bon, j'aurai plus de haine.
Mais ça va, la haine, j'en ai perdu grâce à ce combat. Et après, je vais à l'hôpital, donc je vais à l'hôpital, il n'y a même pas d'obstacle sur le truc. Je pense que c'est le bon plan. C'est le très bon plan. Et on va s'empresser de tout éviter. The lost souls of a dying world, empty of hope and humanity. Pourquoi je peux pas, ça a bloqué par condition. Bon, de toute façon, c'est pour enlever du bandage, mais quand même. Ah bah voilà, voilà. Bon, lui. Comme d'hab. D'ailleurs, c'est con parce qu'il peut pas comboter, je crois. Et il stresse. Si, il peut comboter avec l'aveuglement. Avec le combo. Du coup, il se soignerait. Ok, intéressant, très intéressant. Auquel elle peut comboter. Oh, décidément lui. Hein. On va être greedy, on va essayer ce truc. Ah non, il s'est retrouvé devant. On va mettre un dot. Une 4,46, il n'est pas en dessous des 50%. Donc ça y est. Il est partout, hein. Il est partout. On to the next. Son truc de soin sert à rien. Il passe après, on sait pas. Ouais, j'ai des bandages, mais je sais pas pourquoi. Elle pouvait pas l'utiliser tout à l'heure. C'était grisé. Merde. Merde. Super. Bon, la furie, je l'ai débloqué, mais tu vois les bandages là? Bloqué par condition. Je sais pas quelle est la condition, qu'est-ce qui conditionne ça, mais bon. Welcome relief from caustic agony. J'aime bien l'animation quand il récupère sa masse après le coup. Trois ici. Bon, normalement, à partir de là, c'est plutôt calme le trajet. Putain, je sais à qui je vais le mettre ça.
Non, je sais plus, c'est un hôpital, je crois. Je sais plus. Ah non, c'est un hôtel de rien. Un hôtel de je sais pas quoi. Je suis jamais allé là-bas. Neutre, neutre, hostilité. Je suis curieux, je pense que c'est des histoires. Alors les héros peuvent revivre leurs souvenirs. Ouais voilà c'est ça, ils peuvent. On peut revivre un passé du héros. Chaque hôtel vous propose de choisir un héros pour vous développer l'histoire. Si la section d'histoire est réussie, vous déverrouillez immédiatement la compétence qu'il reste de manière permanente. Et ça reste pour les futures expéditions. Et comme lui, comme elle, pardon. Son premier skill, quand je la mets dans cette position, n'est pas utile. Je serais tenté quand même de prendre elle. En plus, bon, pour l'instant, c'est ma, c'est mon personnage préféré de mon groupe. Jamais déçu. Grieve, robber. Chapter 1. Do it. Luxury's life. Just do it. J'adore ces petits, hein, ces petits artworks. Il devrait faire un King Slash. She spent her days on horseback and her evenings in the ballroom. She was the object of her husband's boorish lust and drunken temper, placating his worst tendencies with a veneer of gracious deference, all the while indulging murderous fantasies of freedom and the fortune that would soon be hers. Ça, il me semble que ça n'était pas dans l'un. Oh, classe. Classe. De voir sa gueule avant la... avant son arrivée. Hein. Oh, c'est pas mal en plus. Je... c'est pété en fait. Non seulement elle détruit le cadavre, en plus elle se soigne, et en plus elle passe furtive. Mais du coup, je crois qu'il faut faire quelque chose hein, pour l'obtenir. Faut pas que je mette trop de pression. Ah non. Mais du coup, elle l'a chopé ? Oh là là, c'est trop bien ce skill, la version améliorée est trop pété. Mais du coup, je peux pas l'activer parce que c'est pour l'expédition entière quoi. Bon, je suis bien content d'être passé par là. Voilà, pas que des mauvaises choses, pas que des mauvaises nouvelles. Un point de réussite. Hop, on l'évite comme il faut. Et aussi, oh là là, j'ai l'impression de passer... de repasser mon permis de conduire moto en parcours lent. C'est horrible. Poste médical, il fallait que je passe en poste médical, je crois aussi. Que ça? Pourquoi pas? Comment... ah, cabinet de soins. Oh! Ça, ça me fait chier. Si je peux la virer, tant mieux. Et alors, ça, ça me fait chier aussi, quoi. Est-ce que je peux me payer les deux?
16 et 16. Fichier. Chier. C'est quoi déjà le cœur là? Vulnérable. Ah, c'est pas tant vulnérable, c'est plus. En fait, c'est pas si mal son vertige parce que du coup, ça me permet d'installer des points de combo. Donc, c'est pas si dégueu ce malus. Alors que celui-là est quand même bien dégueu. Je vais l'enlever. Voilà. DPV, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Voilà, quand même bien moins que. Comment il s'appelle lui? Que Baristan. En fait, je les avais renommés, mais comme mon expédition était morte, ils ont tous perdu leur nom, j'ai l'impression. Bon. C'est cool. C'était même bien mieux de passer par là. Du coup, j'ai un petit combat de barricade et un. Et le combat final, en fait. Hein, avant d'arriver à l'auberge. Je m'achète un truc. Avant chaque lieu, chance de produire des Mais du coup... C'est ça en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Là, le médical. Objet de diligence. Je sais pas, peut-être le mettre. Ça vaut peut-être le coup, je sais pas. Oh, je pense que ça vaut plus le coup. Ça doit être valable que pour une expédition. En vérité, je sais pas. Bah, je vais le prendre. On va l'installer sur la diligence. Est-ce que je peux l'installer sur la diligence? Ça se trouve, je peux pas. C'était W, je crois. Ouais, voilà. Je peux pas. Bon, bah, ce sera à la fin de cette expédition. Cassos. Par contre, c'est cool, c'est mes objectifs. Il n'y a plus que le collectionneur que je n'aurai pas. Mais je trouve que j'ai bien géré cette expédition pour l'instant. Ah, lui, je l'aime pas, lui. Lui, je le hais. Je peux même pas lui mettre un point de combo. On va attendre qu'il recule parce qu'il recule en fait. Mais en attendant, ce que je vais lui mettre. Ce que je vais lui mettre. Où est la résistance il a lui? Il n'y a pas de résistance au saignement, on va plutôt mettre le saignement. Tac. Voilà, fais-toi plaisir. Voilà, il se déplace. J'aurais préféré qu'il se déplace avant pour lui mettre le point de combo, mais bon. La classique, salade tomate oignon. Ok, c'est pas très grave ça. Limite ça m'arrange. Je pourrais les taunt, ça me fait avancer. Le taunt... C'est pas mal quand même. Zéro, ça fait plaisir. Ah.
Et voilà. L'opération rondement menée. Encore elle. On va taper elle, la moche. Et on va lui remettre le buff. Pas trop le choix. De toute manière, elle est tellement buffée que... On s'en a les couilles. Ok, infecté, c'est déjà ça. Allez, la track. Bon, on va quand même la niquer, hein. Mettre un petit saignement. J'aime bien quand ça fait ça. In crisis, no gain is insignificant. Je peux pas prendre ce truc. Les cultistes. Oh, ça va bien se passer, ça va forcément être facile. Oh, les tronches, quoi, déjà. Les cultistes descendent de la montagne et apparaissent dans les avancées et remparts du néant. Ces derniers se trouvant toujours juste avant l'auberge de chaque région. Les vaincre réduit également la haine. Bon, en même temps, j'en ai plus. Allez, c'est parti. Allez. L'épreuve. Est-ce que ça va bien se passer? The slow suffering begins. Horreur. Alors, je crois qu'il y a un personnage qui peut enlever les horreurs. Voilà. Un petit point de combo, ça fait plaisir. Ah, ça fait vraiment trop plaisir tout ça. Là. Donc ça, la barbare. La barbare, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire ces deux-là. Hop. On se calme. Alors, il peut retirer l'horreur, mais... Avec ce truc. Mais je pense que j'en ai un peu rien à foutre là. Hop. Voilà. S'il a l'air trop fort lui. Bon, c'est lui qui va prendre pour les autres. Y'a moyen que je le tue. Mais voilà, parce qu'il a le point de combo. Il est pas mort. Il est passé furtif. Le petit salopard. Donc je peux plus taper. Non, je peux plus. Mais lui, il fait trop de trucs, donc c'est ok. J'ai rien fait. Bon, en même temps, bon, il avait protection contre les dégâts. Ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Collaboration confers advantage.
Toujours furtif, lui. Subissent tous moins de 50% de dégâts. C'est un peu l'enfer. Tout est payé. Le PV 2139, évidemment, je suis pas à 50%. Bon, de toute façon, ça a rien changé. Peut-être que ça vaut le coup que je pousse celui-là. Peut-être qu'il a moins de compétences. Hein. Ouais, lui, il a pas l'air d'apprécier s'il est au troisième rang. On va essayer ça. Voilà. Oh là, ça l'a soigné, mais à max. Ok, il a plus sa furtivité, mais bon. Et du coup, il a reculé. Ah, fait chier. Oh. Oh là là. Quel enfer. Là, je vais recommencer, hein. Je vais focus ça, là. Celui-là, là. Ce qu'il a pris, pourquoi j'ai pas soigné? Ouais, ça sent le combat infini de l'enfer, pas sûr. C'est surtout le combat avec les suites de merde. Ok. Putain, ça dure combien? Encore un tour. Bon bah là il faut soigner, de toute façon. Pas trop le choix. Ah, d'abord les bandages. Hop. Ensuite ça. Ok. Lui. Lui, est-ce qu'il peut taper dans le fond? Non, mais il peut taper le chérubin. Grâce à ça, et on va le faire. Ah non, furtif. Bon, lui, il est pas... Il a aucune défense, il faut en profiter. Clairement. Et j'aurais dû le pousser, ça aurait peut-être obligé le chérubin à faire de la merde. Bah du coup, je peux pas taper le chérubin. En fait, c'était le bandit qui permettait de défufu. Ce que je n'ai plus du coup. Je tentais de réduire les dégâts là. Pas trop le choix, je pense. Et il est stressé. Oh là là, mais je vais rien pouvoir tuer là. En vrai, lui, il faut lui mettre des dots. C'est ça qu'il faut faire. Ou je lui mette masse dots. Qu'est-ce qu'il peut doter là? Y'a rien. Oh putain, au-dessus de 50% de PV. Aïe 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 aïe. Bah je vais tenter l'aveuglement. En espérant que ça mette un point de combo. Ouais, c'en a mis un. Du coup, c'est ma pilleuse de tombe. Plutôt qu'essayer de finir celui-là, je vais essayer de finir celui-là. Avec ce... Oh
Ah mais du coup je vais mettre un dot hein, parce que trop chiant sinon. Ok, coup fatal. C'est bon. Oh, je... La situation se débloque un peu. Elle. C'est con, elle est plus au premier rang parce que sinon elle aurait pu taper sur cette merde là-bas. Quel tank. Peut-être mieux qu'elle tape. Peut-être mieux qu'elle tape. Ouais putain. Et lui il veut pas mourir hein. Pourquoi j'ai pas tapé lui d'ailleurs? Je suis con putain. Wouah. Wouah. Bon, on va taper lui. Oh merde, il avait le stress. Finalement, ça te fait les pieds. Ouais, un conflit éternel, on est d'accord. Qu'est-ce que je voulais faire? Lui, je vais le doter. Moi, je peux pas. Ouais, il est furtif. Ok. Donc c'est forcément celui du fond. Ah bah voilà. Merci. Ok, bon attends, il était bien merdique, je suis bien content de m'en être débarrassé. Alors, il faut que je soigne. Clairement. Qui vont plus être soignés. Et là, il faut que je déstresse. Ah non, ça ne déstresse pas. Ok.
Ça c'est en charge. Bon, y a pas trop le choix, on va mettre le dot. Elle est pas très folle quand... En fait, il faudrait que je la déplace. Parce qu'en fait... Ce truc, elle peut taper au premier rang. Là, pour le coup, il faut que je les déplace, les deux. Après, il faudrait que je soigne lui, quand même. Enfin, elle, pardon. Oh, crit. Je le déplacerai après. Ah, je peux plus faire le soutien. Ok. Bon, j'aurais préféré qu'elle passe à... J'aurais préféré qu'elle passe après, mais bon, c'est pas grave. On va la déplacer du coup. Ça sert à rien, ce tour-ci. Ok. Bon, il peut re-soutenir. Lui peut dot, elle peut dot. Peut-être augmenter la résistance de tout le monde. Pas le choix. Si je peux faire une faiblesse, c'est ce que je vais faire. Résistance, fait chier. Et là, elle peut faire ça, elle. On a un peu de choix. Agonie. Ok. Alors là, si elle me tue, un bonhomme, là, j'ai les boules, hein. Je vais peut-être venir ici direct. Oh non. Ok, on serait sorti. Straightforward and effective. Aïe aïe aïe. Pulsion sombre, loque inoubliable. Putain, plus 50% de résistance au feu. De dégâts. Si un, objet de type sordide est équipé, bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est puissant ces deux trucs là. Non, mais ça c'est sordide. The loathing. Abates. Mais du coup, parce que là j'ai de la... j'ai ça, mais c'est pas la folie quoi. Si je lui mets ça. Ok, ça fait beaucoup moins de PV, mais elle prend jamais de dégâts. Dans sa position.
Ok. C'est reparti. Bon. The roaring heart does much for the weary body. Even more, perhaps, for the restless soul. J'ai gagné plein de trucs là. Hein. C'est quoi ça? Chasseuse de cadavres. Merde. Barista, on s'en fout. Oh! Paracelsus est furtif en début de combat. Et en plus, il gagne en vitesse. Et ça, c'est cool. Parce qu'il peut mettre des points de combo. Et Audrey, furtive! Parfait. Oh là là, c'est trop bien. Shall we continue? Oh, le nombre de bougies que j'ai eu. The lesson too demanding. Coup de bougies. Learn what can be taught. That you may stand just a little taller. Alors elle, je stunte pas mal. Ah mais du coup elle retirait déjà les... En fait son cri barbare je le trouve vraiment pas mal. Donc je pense que je vais prendre le cri barbare. Pas mal, prendre ça je pense. C'était quand même bien utile et puis ils sont stressés à mort là. Améliorer le soin. Hein. Ah. Non, non. Attends. Furtivité x2. Ignore les esquives quand c'est furtif. Ça soigne de 50%. Ouais, non, mais pff, je le trouve vraiment pété ce skill. Tac. Par contre, faudrait que je puisse l'équiper. Je sais pas comment. Paf. Ok. Tac. Parfait. The next stop is leagues away. Plan accordingly. A smoother ride. For a time. Par contre, je vais faire un petit AFK. Je reviens. Très rapidement.
Et re. Bon, ça se passe quand même bien mieux que la dernière fois. Et je pense que, mine de rien, c'est probablement parce que j'ai deux frontlines. Alors par contre, lui il est quand même bien stressé. Je suis quand même passé à la boutique. Acheter des trucs, je sais pas s'il y a de l'anti-stress. Ah, merde ma pipe. A bit of comfort on the road to damnation. Je peux plus rien acheter, si. Off. Ouais, du coup, elle va faire des trous dans les cadavres, c'est pas mal. Alors, lui, il va prendre un peu d'herbe à pipe. Ça va te faire du bien, tu vois. Sélectionner deux cibles. Ah, deux cibles! Je crois que je vais tout consommer. Je peux rien faire de mieux. Objectif, éviter la tour de guet. Perte de flamme plus 33%. Trenches and tents. The front lines of a war that was never fought. On va voir. Éviter la tour de guet. Relation. Les relations donnent aux compétences de combat des bénédictions ou des malédictions. Les relations positives procurent à chaque héros des compétences bénies qui affectent positivement son partenaire lorsqu'utilisé. Et pourquoi il me dit ça là? Flamme faible. Lorsque la flamme passe en dessous de 40, le monde devient bien plus dangereux pour les héros. Survoler la flamme pour voir son niveau et ses effets. Trouver une rencontre d'aide. Ou acheter des lueurs d'espoir avant que la flamme n'expire. Ok. Ok. Aspiration unites the hopeful. Alors je vais utiliser le signe de fer par Célus. Paracelsus va perdre en stress. Quand je vais utiliser la prévention, Boudica va perdre en stress. Ça, c'est cool. Par contre, j'utilise jamais celui-là, donc bon. Mais bon, sait-on jamais. Je trouve le collectionneur pour Boudica.
Moins 20% de dégâts de vie rentrant dans. Super. Ça sert vraiment à rien lui. On les perd en vitesse, ok, à cause de l'herbe à pipe. Très bien. Alors, il faut que j'évite les tours de guet. Entre, ça on évite aussi. Pas que j'aille là. Trop d'aide, c'est loin là. Bon, ça c'est pas fou. Ça c'est pas fou. Ouais, je suis tenté d'aller à gauche là. The unknown awaits. Be wary. Ça va stresser les deux, mais ça va me déstresser les deux tanks. Une barricade. Putain, mais ils sont soignés que d'elle. Oh la vache. Elle démarrait pas furtive, elle. Allez. Well done. Ok, parfait. Ok. Va falloir absolument que je trouve le moyen de les soigner. Et infection, parfait. Toujours ça de prix. Le saigner. Yeah. Yeah, elle est toujours sous protection. Oh putain. C'est pas vrai quoi.
Ouais, distress 5, ouais. Plus ça devient furtive. Ok, parfait, si tu passes ton temps à faire ça. At least has been tended to. C'est de le finir. Elle est plus protégée. C'est une bonne chose. Que je tenterai pas de me déstresser avec elle. Je pense que c'est pas mal, hein. Ça l'a fait avancer, elle aura probablement plus de skill. Ça, c'est la plus de skill. Ouais, elle peut pas taper de là. Faut que j'en profite. Parce que c'est une énorme connerie ce que j'ai fait. Ça c'est pas mal, mais bon. Elle est déjà suréquipée, ma... Après... Elle, elle peut poser les points de combo, c'est important qu'elle passe assez vite. Et lui, c'est pareil. Donc cet item est pas fou, il aurait été bien potentiellement sur... Il aurait bien été potentiellement sur... Sur la pièce de tombe, mais bon. Je vais lui mettre. Qu'est-ce que c'est? He chatters incoherently. Ok, le collectionneur. But his prices remain fixed. Est-ce qu'il peut m'aider? Au final, je suis bien. Je suis bien remonté en vie. Je peux pas me plaindre. Est-ce qu'il a un item de diligence? Ouais, il en a plein. Bon, je peux m'en acheter aucun. Ça c'est pas mal, hein. Bon je peux en acheter aucun, c'est pareil mais... Soit... Ah ben voilà, c'est pas mal.
pas assez tentant. Bon, alors je peux en acheter qu'un. Ouais, il vaut mieux que je le mette par Alessus. Par Acellus. Soin donné. Ouais, je peux rien acheter. Peut-être un peu de flamme, on verra. Ok. Stuff. Salut, il a une seule gueule. Ghoul. Oh non, il y a ce petit bâtard là qui se furtivise. Ah. Ce petit bâtard. Bon, comme tu passes en premier, je suis quand même tenté de faire un... faire ça. Coopération est la clé. On perd son tour. Accumulation. Cri barbare. Bon, jusqu'ici ça a pas trop mal marché ce strat. On va rester dessus. Bon, elle, il y a moyen de le faire très très mal. Hein. On l'a vu jusqu'ici, ça faisait super mal. Fatal, voilà. Comme ça, je vais pouvoir bouffer le cadavre en plus. Ah, bah, ça l'a déstressé, hein. C'est pas mal. Là, je suis très tenté de. De lui coller. Ah, oui, il y a ça. Si je lui colle ça. On pourra potentiellement avoir très mal. On va tenter. Ouais, ça passe à travers la furtivité, c'est bien. The slow suffering begins. Ok. Je peux déstresser. Mais bon, je suis tenté quand même de faire ça. Pas le faire à cause de la furtivité, c'est très dommage. On va essayer de provoquer. Voir si ça marche. Il fait moins de dégâts. Waouh, le coup de stress. Hein. Non, par contre, il s'est foutu devant. Okay. Hmm.
Je vais pas la déstresser, ça sert à rien. Bon, j'essaie de niquer ce... cet avatar là. Je peux pas le toucher avec elle. Alors lui, il va se venir à elle. Voilà. Ah, j'aurais dû utiliser son... Aïe, aïe, aïe. Pareil, pas trop le choix. Un petit cri. On va essayer de le faire saigner. Elle. Ouais, elle, il faut qu'elle tue, hein, cette merde. Ouais, elle va bouffer les cadavres ensuite. Lui, il a une bouteille. Pas faire le soutien. Je pense que c'est pas mal. Potentiellement, il va passer la fin du tour en résistance. Pas de bouteille. On va essayer de le faire saigner quand même. Ok. Measured and steady. Non, elle a... On lui fait le cadavre. Ça va. Ça aurait pu être pire. Par contre, il faut qu'il fasse un soutien. Niveau de stress là. Ça stresse hein. On va le provoquer. Ah mais il est plus sous protection. Bon de toute façon il est. Elle est sous fufu. Oh, le stress là, il est élevé. Greater threats await those who dare. Ah, rencontre dead. Absolument que je passe pas par là, donc pas que je passe par l'Oasis. Donc je passe par l'hôtel héroïque. Il me reste mes deux rouges, je pourrais passer par là. Rencontre de résistance, ça fait mal. Donc là en fait après ça je vais aller directement à droite. Parce que là il faut pas que je passe par là. Faut pas que je passe par là. Et on y repart. On est reparti.
Les gueux. Donc eux, ils vont me donner de la flamme. Me réparer une roue. Pourquoi j'aurais besoin de réparer une roue? J'en ai deux. Lui, ça sert à rien. Ok, elle, elle est vraiment pas sympa. Donc c'est plus elle. Objet de combat. Plus objet de combat, c'est plutôt sympa. In crisis, no gain is insignificant. Ah, ça retire un... Ça retire la fufu. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire. On a dit qu'on allait à droite. Une roue en moins. Slow, vacant, and resigned. The lost battalion shambles on. Aïe 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 aïe. Je sens qu'ils vont me faire mal au cul. Force, ok. Éviter, je perds de la flamme. C'est pas forcément déconnant. Combien de flammes? 78. Après, je connais pas ces mobs, on va voir. Faut bien les découvrir. Hein. On va voir. Ok, bon, bah là, je commence le combat. Une sacrée. Bénédiction des verrues. Plusieurs compétences, ok. Lui, il va falloir lui faire mal. Alors, soit j'aveugle direct. D'autant que c'est lui qui passe en premier. Ok, il a le combo en plus, ça fait plaisir. Et ça va déstresser. Ma soigneuse. L'idée c'est vraiment... Ah putain, c'est vrai qu'elle a un malus, ma pièce de tombe en début de combat, elle peut pas jouer. Terrible. Du coup, point de combo. Ah, il meurt pas. Alors, eux, il va falloir que je les tape vite, hein, je pense. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je vais finir. Ah. Oh la vache. Oh, oh. Voilà ce qu'il a pris. Je
le déstress. Le point de combo, je vais faire un soutien. Ok. Allez, soigne-moi ça. C'est tout. Triste. Là, il va falloir que je tape avant de... ils font chier, hein. Ils focus Layla. Rarely in these times. Savor it. Analysis is the natural prelude to action. Ah, il peut taper des trois premiers trucs. Quoi, les animations. De toute façon, ce qui m'a fait acheter le jeu en premier lieu, là, c'est enfin... C'est les animations, ça. Hein, elles sont trop réussies. Je vais essayer de le pousser, ça va le faire passer après elle. Après elle, elle peut faire quoi? Parce que... elle peut pas faire grand chose hein, pour le faire chier. Ouais, il faudrait que je le tape finalement. Il a encore sa parade pour un tour. Ouais, je vais le faire. Hein. On va jouer safe. Ah mais putain, lui aussi il tape la Sonias. Bah niquer ta mère. Le track, hein, putain ça faisait longtemps. Bon, plus de soins. Critique, ça fait plaisir. Elle va pas pour le taper. Si. Du génie, ouais, je suis assez d'accord. Connie, du coup, il tape moins fort. Mais il tape quand même. Allez, veux-tu bien fermer ta bouche? Bon, je suis pas très satisfait, hein, quand même. Oui, super cher. Burning brightly for all the world to see. J'ai pris tellement cher. J'ai même plus vers où je me dirige. Ok, ça j'ai de l'armure. Donc il me reste plus qu'un d'armure. Prochain coup c'est embuscade.
Ah, attends, j'ai chopé un truc. Choper un objet de combat. Et là, je vais où? Est-ce que je me fous dans la merde? On va voir. Ça a l'air plutôt cool, ça, ouais. Un hôtel. Bon, elle, je l'ai déjà fait. Elle a un skill qui sert jamais, ça pourrait m'être utile. Mon tank là, ça sert à rien, il utilise tous ses skills. Ces deux-là utilisent tous leurs skills, donc potentiellement je pense que c'est utile que j'amène la berserk. Alors quelle gueule elle avait avant? Hellion, chapter 1, the eve of glory. She was young to join the war band, but any who challenged her readiness were met with clenched fists and violent indignation. Having bloodied the last of her detractors, the matter was considered finally settled. On the eve of battle, she joined her clanmates in a raucous celebration, her stein and her spirits overflowing with abundance. Oh, ça change pas trop. Cheveux moins longs. De vide sang. Ah bah c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Pour remplacer mon skill là. Un petit saignement. Alors à quoi je m'attends là maintenant? Ah ok, il faut que je choisisse. Bon, clairement pas la tour de guet. Et là, je vais péter mon armure. Je vais la repéter derrière, donc je me prends une embuscade. Il vaut mieux que je passe par la droite. C'est très mal barré, hein, cette expédition là. Some existential shock. The poor devils aimlessly amidst the trees. Les décors sont splendides hein, sur la route. Plage universitaire. Oh. C'est souvent elle en premier, je crois. Elle a 4 plus 1. 1. 1. 6. Ouais, mais elle peut pas porter. C'est quand même souvent elle. Le problème c'est que ça intéresse pas mes tanks. Il n'y a qu'un tank qui peut le porter. Tant pis. Quoi d'autre? Ça c'est les trucs d'auberge donc je peux pas les utiliser ici si je comprends bien. Élimine tous les cadavres. Lui il y a déjà. Là déjà.
Et on avance. À quoi je m'attends déjà? Je ne sais pas, mais j'aurai une embuscade entre deux. Putain, je suis qu'à 44. Faut pas que j'oublie d'utiliser la flamme là que porte mon tank. Là c'est... Putain mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il a déjà des dots. C'est trop marrant. Bon on va assurer le truc. Sa horde sacrée. Plus vous approchez d'un portail, plus vos ennemis ont des chances d'être renforcés par des ordres sacrés. Quoi, c'est lui? Ordre sacré, cet ennemi est béni par chaîne du déni. Plus de PV, plus de vitesse, plus de dégâts. Plus de résiste. Ok. Et lui non? Ouais, lui non. Ça vaut le coup que je les déplace ou alors que je fasse une petite prévention. Comme ça, ça baisse le stress de Boudica. On recommence. Ça va être un des trucs. Ok. Bon, est-ce que je peux tuer quelqu'un là? Ça serait bien. Mais ça c'est parfait. Ça va enlever le stress en plus à mon... À mon soigneur. Alors... Paf. Il l'a quand même pris, mais là c'est... Hop, tapez moins fort, merci.
eux ils peuvent taper, ouais ils peuvent taper de loin. Dommage. Aucun intérêt que je le pousse du coup. Si, si elle. Observe the subject carefully. Elle a l'air con. Non, elle peut faire ça. Okay. La merde, c'est bizarre en fait. J'ai jamais capté ça. Stressé à mort. Ça dégage. Et on va faire dégager aussi assez vite. On va enlever un peu de stress. Peut-être baisser un peu le stress. Bon, ça coûte un petit peu cher, et puis bon, finalement je passe pas stress. Ah, rencontre de résistance. Bah, quand faut y aller, faut y aller. Hein. J'ai bien évité là. Je suis assez fier. C'est pas le but, hein. Normalement ça donne des bonus. En vérité, d'autres stress, vu comment je gère pas trop mal le stress. Bah, par contre, lui il l'aime pas hein, si on fait ça. Quand même tenter de l'éviter parce que c'est pas super haut, on va tenter. Tain, mais par contre lui il aime pas du tout. A simple choice. At least it should be. Obligé de faire droite droite tu penses? Mind your wheels. They have nothing left to give. Je sais pas hein. L'armure, je peux encore le faire une fois. Ça c'est juste ce truc de merde là. Hein. Qui fait un peu chier. An academic study full of the forbidden and the forgotten. Vigne étrange.
Objets de combat. Alors, les objets de combat, j'aurais plus besoin, je crois. Prendre ça. An unexpected find. Ok, ça me relèvera du stress à l'auberge si j'y arrive. Lost and desperate. They need your help. Là, je perds ma dernière armure. Ah, you refugié. Must be strong enough to shoulder more than your share of the dégueux. Ah bah ils peuvent répu... Alors ça c'est pas mal. On va prendre ça, hein, ça me paraît. Hein. Je perds de la flamme, mais la flamme... Elle a combien la flamme là? 46. La vache. Allez, en avant. J'imagine qu'on voit toujours pas si... Ah, c'est de la haine. Ça passe. Ah non, mais je perds de la flamme, un truc de fou. Je vois plus rien. Je sais pas combien de lanternes il me reste sur mon tank. Il doit me rester une charge, je crois. Il y avait un petit risque hein, parce que je voyais pas ce qu'il y avait là. Ouah, wow, ils ont une sale gueule en plus. Oh, je l'aime pas celui-là là. De quoi ça? Une aura cosmique incompréhensible, vénération. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, est-ce que je peux soigner? Est-ce que je peux. Non. Bon. Cardinal, 46 PV, 20, 32, mais lui par contre, il a été béni par par l'ordre sacré là. Donc il va être relou à tuer. C'est vraiment lui qu'il faut que je cible. Mais là je vais... Ah mais tout le monde est full vie. Est-ce que je peux tenter un rush? Il n'y a que lui, il lui prend deux slots. Il n'y a que lui que je peux mettre en combo. Je pense que lui, il faut que je lui claque. Ah, mais il a son armure. Si je... Alors lui, il a pas d'armure. Je peux potentiellement lui faire mal avec mon combo. Et je l'aveugle en plus. On va tenter ça. Et il a le combo. Là, c'est ma pieuse. Ah oui, mais j'oublie toujours qu'elle, a... qu'elle passe en dernier. Ils ont l'air tous très énervés. On est obligé de faire ça. Hein. Et là, obligé de... Ah non, d'abord obligé de faire ça. Parce que je suis déjà extrêmement bas. Le soutien ne sert à rien, on va faire la défense. Et c'est ma pièce de tombe enfin. Qui elle peut faire le combo sur ce truc. Oh. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh là 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 là, elle est magnifique. Lui c'est fufu. Oh, il se soigne. Il se soigne, le bâtard. Par contre, lui, il a des fufus. Non, mais il a encore de la parade.
pense qu'il faut que j'essaie de le bourriner un max celui-là. 14, bon c'est worse. Alors lui malheureusement... Enfin elle... Je vais essayer de lui coller un dot à résistance. Wow! Oh putain, elle se retrouve là. Il est stressé. Mais on va essayer de faire un max de dégâts sur celui-là tant qu'il a pas d'armure. Lui il va le buffer, c'est sûr, il va me péter les couilles. Ah, je peux même pas l'avancer. Oh, je pensais avoir accès à... Elle a pas un truc qui avance de 3? Ah non, c'est lui. On m'a obligé d'avancer. Quel enfer. Fufu. Non, non, il a perdu ce fufu. Oh là, il soigne. Quelle souffrance. Oh là là. Et du coup c'est à lui après, et après c'est à lui. Bon eux ils ont de l'armure, hein. Ça sert à rien que je les focus. Je pense qu'il faut vraiment que j'essaie de faire un... Oh yes, c'est magnifique. Putain elle est vraiment trop forte. Ah, il soigne aussi lui. The slow suffering begins. Anxiety foments insidious fears. Oh les malus que je me morfle. Peut-être c'est plus de l'infecter lui. Sinon je peux pas faire grand chose. Si je pourrais inverser. Je pourrais inverser. Hop, comme ça lui est... Ah, elle est plus à sa place. Bon, elle, il faut qu'elle déstresse... À lui, il doit déstresser, je dirais avec elle. A small reprieve from this carousel of horrors. Et il n'a pas déstressé, hein. Alors ça, c'est mon bleed. Qui fait des dégâts, hein. Il dit rien. Raté. Oh, il est fufu en plus maintenant. C'est terrible. C'est terrible. Essayer de coller un autre sur celui-là. Esquive, mais c'est pas possible. Non mais là... Soit je provoque, sachant qu'elle est sous protection. Hein. Ce qui me paraît pas mal, en plus ça le fait avancer. Soit... Ah putain. Ok. Heureusement que je l'ai vu. Soit je taunt. Ouais, non, tu ouais, merci. Et du coup, eux, ils feront plus de dégâts.
Pas contre lui. Bon, on va faire ça. Esquive. Oh, mais ça c'est trop le bordel en plus. Oh, aïe 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 aïe. Ça va lui permettre d'esquiver quand même. Mais non. Oh. Là ça devient abominable. Comment faire hein? Obligé de se soigner là. On est obligé de soutenir elle, je dirais, mais. Ou alors j'avance. Lui il a un truc qui avance de 3, ouais voilà. Faire front. Moi j'ai pété son armure. Faut absolument que je pète cette merde en premier là. Combien ça te paie? 16. Ça sert à que 16. On a que 16. Oh le stress. C'est à lui. Oh les malus qui se tapent là. Wagon est super. Another old soldier lays down his life in the dirt of a distant land. Alors soit j'essaie de le buter, soit j'essaie de... Mais elle va mourir aussi quoi, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut absolument que j'essaie de le buter cette merde là. Ah il a 75% de chance d'esquiver. C'était la dernière à passer. Et elle a un bide. Ah, elle peut essayer de le faire saigner. Raté. Bon. Bon, de toute façon, il y avait autant de chances d'esquiver. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Pour essayer de buter cette merde, là. Raté, mais c'est pas possible. Meurs! S'il te plaît. Agonie. Fatal. A warrior's death. Redemptive and transcendent. Please. Please.
Je sais même pas ce que ça a fait finalement leur crise. Hein. Ah si, ça. Purifier, chance de crise, début de combat avec horreur, ok. Bon, je peux plus soigner, je peux plus rien faire. Lui, il est trop bien dans ses baskets. Playlist. Ah non, elle fait saigner une tombe, d'accord. And now, the greatest test of all. Esquive, esquive des baisses de dégâts. Terrible. Je peux pas te soigner, ça sert à rien. Faut taper. Oh, c'est con, j'avais bien fait mal au début. Retrouve au cac. Oh bah super, hein. Tout regagné. Réagonie. Full stress, bientôt une crise. Et ça n'a pas marché. Aïe 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 aïe. She understood death, but could not defy it. Arrive, hein. Ah bah c'est maintenant que tu fais Non mais par contre la sangsue là elle est vraiment trop mal en fait. C'est ça que j'aurais dû péter dès le début quoi. Putain, en plus c'est de la merde ça. Bon ça soit. Ouais, je crois qu'elle peut plus taper là. Ouais, elle peut plus taper. Bon, ben, rip, hein. What is it then that gazes us back so we can see from the abyss? Ça, c'est la cruauté de ce jeu, c'est qu'on est obligé de voir tout son groupe crever alors qu'on sait que c'est déjà mort. An interminable conflict. Vraiment, vous allez vous buffer. Awash in turmoil. Vérifier. Bon. Road and an abrupt end. C'est triste. Knowledge and experience, twin yardsticks of progress. Bon, je fais quelques bougies. Ouais, je sais vraiment pas pour cette. A nebulous nightmare, an apocalypse that only we. Cette compo, je la trouvais pas mal quand même. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Comment je fais pour les prendre?
Je sais pas à quoi ça sert la réminiscence. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Ouais, c'était plutôt pas mal quand même, c'est vrai. J'ai envie de le prendre quand même. Ouais, donc ça c'est la flamme infernale. Qui bah voilà, c'est le mode difficile en gros. Qui rend le jeu très compliqué. Spare a thought for tools of iron. Such implements will serve us well. Tenter de mettre ça aussi quand même. Hail the vessel of your deliverance. En vérité, c'est pas mal, hein, je pense, de monter, de rusher cet arbre-là de diligence. Non, c'est pété ça. Ça c'est pas mal aussi, hein. Applique en attaquant, compétence beuglement. Gain si attaque touche, c'est quand même pas mal. C'est quoi les épées, je sais pas. Oula putain, j'ai failli faire. Quand t'as stress, il y a un position 4. Salut, ouais bah bonne nuit. Je regarde juste mes skills et puis je vais me coucher aussi. Merci d'avoir regardé. The true splendor of a world, those who live within it. Ça m'a l'air complètement nécessaire aussi. Hearts and minds will carry the day.
Combien 6. Pas mal là, ça aussi. A little more light, a little more strength. Pas dégueu ça, c'est putain, c'est puissant même. Je tentais de prendre ça aussi. De prendre ça après. Ça c'est pas mal aussi, hein. 6. Et après, bon. L'ennui c'est que. Elle fait surtout des. Baisse de dégâts, elle. Non, voilà. Donc du coup j'ai un peu augmenté. Ouais bon. C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Là. Prochaine fois. Je comprends vraiment pas à quoi sert la réminiscence. J'imagine que c'est les trucs que j'ai débloqués et que je peux potentiellement te croiser ailleurs. Je pense que c'est ça. Ok. Et bien voilà. Ce sera tout. Bon, bon petit run quand même. Mine de rien. J'ai hâte d'y rejouer. Bah, prochain soir, demain, j'imagine. Demain, je reçois Zelda. Mais j'ai pas prévu d'y jouer tout de suite. Je vais attendre que la hype descende un peu sur Zelda. Là, c'est hallucinant le nombre de streamers qui sont dessus. Donc ça sera pour une prochaine fois Zelda. De toute façon c'était déjà anticipé. Donc, voilà. Allez, une petite musique. Et salut.